collé à sa vision, bah, c'est quand même important d'avoir confiance et d'être un tout petit peu entêté. Alors, vous avez en photo le roi des entêtés, qui est Larry Ellison, PDG et fondateur d'Oracle, et qui nous dit, globalement, si vous, vous arrivez et que vous portez sur le marché une parole qui est nouvelle et une parole qui est innovante, bah, 90% du marché va vous dire que c'est pas la bonne. Soit pour des bonnes, enfin, pour des bonnes raisons. Pour des raisons honnêtes, je dirais, parce qu'ils pensent vraiment que c'est pas la bonne, mais le plus souvent, parce que ça dérange leurs habitudes et ça dérange le consensus de marché dans lequel les gens ont bâti leur entreprise plus ou moins florissante. Donc préparez-vous finalement à affronter le scepticisme et tout ce qui peut aller avec. Et on a, mes collègues ou moi-même, dans nos souvenirs et dans nos cartons, tout un tas de sociétés qui sont devenues des succès après avoir, si vous voulez, l'analogie de l'avion. Il y a le train d'atterrissage qui touche la mer, quoi. On est passé tout près de la catastrophe. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que les gens adhèrent, alors ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais adhèrent à l'innovation, et c'est celui qui est resté entêté qui peut avoir raison à la fin.